en si mineur. Et qui agrippe la corde. C'est d'ailleurs de ce crissement initial que jaillit la merveilleuse sonorité du violon. Ça aide l'archer à accrocher. Seulement, des fois, ça s'incruste dans les cordes et même dans le poids du violon et ça fait grincer. Alors bon, conclusion, moi je ne fais plus très souvent le ménage chez moi, mais j'ai toujours un petit chiffon sur moi pour faire le ménage de mon violon. Nathalie, la leçon de violon, c'est le mardi à 19h15. Ici, on est dans Zigane en Vaudre, alors bonjour, on y va. D'où l'expression danser à la hora. Ouais, mais enfin, là, t'es pas là pour danser, t'es là pour jouer du violon. Alors, on y va. Ah.